T'as bien fait de cliquer sur cette vidéo. On s'apprête à partager ensemble la plus inédite et la plus inspirante des histoires. Celle d'un jeune basketteur qui était à des années-lumière de s'imaginer changer un jour l'histoire et le futur du rap en devenant malgré lui l'artiste le plus influent de sa génération. Qui aurait pu deviner que ce jeune ado inspiré par la scène rap d'Atlanta allait devenir une mystérieuse rockstar aux allures de vampire à qui certains vouent un culte n'ayant aucune limite. Tiens-toi bien, aujourd'hui on te raconte et on analyse ensemble l'histoire de Jordan Carter, aka Playboi Carti. On est le 13 septembre 1996, le rap connaît son âge d'or, mais une nouvelle vient bouleverser toute la sphère musicale. Tupac Shakur décède lors d'une fusillade à Las Vegas. Au même moment, de l'autre côté du pays, à très exactement 2800 km de là, un enfant naît dans l'hôpital d'Atlanta. Ce petit, c'est Playboi Carti. Il sera plus tard considéré par ses fans comme la réincarnation de Tupac, du fait de cette coïncidence troublante et de l'étrange tache de naissance qu'il a sur la joue, que certains interprètent comme étant un impact de balle d'une vie antérieure. Bref, t'en fais ce que tu veux, t'y crois ou t'y crois pas. Ce qui est sûr, c'est que Jordan grandit dans un endroit loin d'être propice pour le développement d'un enfant. Insécurité, drogue, gang sont les maîtres mots du quartier de Riverdale, le secteur le plus criminel d'Atlanta où il passe la majorité de son enfance. À sa maison, sa mère a l'habitude d'écouter tous les plus grands artistes de l'époque, elle les met à fond dans la voiture, dans le salon, et parmi eux on retrouve Michael Jackson ou du Prince. Son grand frère Reggie, quant à lui, l'initie à la trappe d'Atlanta en lui faisant écouter des rappeurs comme Gucci Mane ou T.I. Ce qu'il faut retenir, c'est que le petit part déjà avec un bagage musical assez chargé. Au niveau de son caractère, c'est un enfant plutôt agité qui aime faire le clown. Influencé par les grands de sa ville et par son frère, il commence à faire des petits freestyles comme ça pour rigoler. Et il fait ça tellement bien qu'il va vraiment impressionner sa famille qui va déceler un potentiel en lui. Et pour l'encourager à continuer, ils ont une idée qui devrait plaire à Jordan. Lui donner un peu d'argent de poche à chaque freestyle. C'est en quelque sorte ses premiers pas dans le rap, même si à l'époque il avait pas encore écrit de texte. En parallèle de la musique, Jordan développe une autre passion qui va prendre le dessus, le basketball. Son objectif, c'est pas d'être le futur Gucci Mane, mais d'être le prochain Michael Jordan. Et faut dire qu'il a un vrai talent, le petit est doué et aspire à devenir joueur professionnel. Il est tellement fort que le sport commence à conditionner la suite de ses études. Il quitte son école de Riverdale pour une école bien meilleure sur l'aspect sportif. À ce moment-là, sa vie est rythmée par tous les déplacements qu'il fait avec son équipe à travers tous les États-Unis. Malheureusement, ses fréquentations le jouent vite des tours et il tombe rapidement dans les vices de la drogue. Petit à petit, son niveau baisse et son intérêt pour le basket aussi. Son rêve de pouvoir jouer en NBA se termine définitivement le jour où il s'embrouille avec son coach et ça finit en bagarre. Bon, le basket, c'est mort. Mais il a toujours l'habitude de freestyler avec ses potes qui lui disent qu'il y a peut-être un truc à creuser. Hein. Pour te mettre un peu dans le contexte, on est en 2011, Jordan a 15 ans et traîne souvent à Atlanta avec ses potes. Ça écoute du rap, ça freestyle, tu connais certainement cette ambiance. Comme pour le basket, il est encore une fois au-dessus de tout le monde. A tel point que ses potes lui disent clairement: bon Jordan, on a compris, tu sais freestyler, mais pour une fois fais-nous un vrai son écrit avec un vrai clip frérot. Défi accepté. Cette fois-ci, il se munit d'une feuille, d'un stylo, il installe GarageBand pour enregistrer le son, il prend sa cam et se filme. Le tout sort sur YouTube sous le nom de Cry avec le pseudonyme Sir Cartier. Ce nom, c'est une référence à son nom de famille Carter, mais surtout à la marque de luxe qu'il fait rêver, Cartier. Dès ce premier son, on remarque qu'il est plutôt loin de la trappe d'Atlanta et qu'il a une façon inédite de poser sur l'instru. Le morceau est doux et honnêtement, pour un premier son à seulement 15 ans, bah, ça passe vraiment bien encore aujourd'hui. À ce moment-là, il est encore au lycée, mais dans la tête de Jordan, il n'y a qu'une seule chose, c'est la musique. Les cours, ça l'intéresse clairement pas, et ce qui l'intéresse pas, bah, il passe. Il va donc commencer à sécher la plupart de ses cours pour se concentrer uniquement sur sa musique. C'est comme ça qu'il va sortir sa toute première mixtape, The High Chronicles. Malheureusement pour nous, elle a totalement disparu et il n'y a plus aucune trace sur internet. Le premier projet de Jordan encore disponible aujourd'hui s'appelle Young Misfit et a été posté le 12 novembre 2012. Et on y trouve des morceaux honnêtement plutôt bons pour l'époque. Bon, ça sonnait évidemment très amateur, mais on y trouvait déjà les prémices de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il y avait déjà beaucoup d'adlib, les prods étaient vraiment bonnes et on s'éloignait déjà de ce qu'on trouvait dans le paysage musical à ce moment-là. Au niveau des paroles, c'est plutôt recherché et même parfois un peu drôle avec quelques phases qui peuvent clairement faire sourire. À côté du rap, il commence à faire ses premiers jobs pour se faire un peu d'argent de poche. À défaut de pouvoir travailler chez Givenchy ou chez Dior, il décide de postuler chez H&M.
Bon, c'était pas du tout un poste de rêve, mais au moins il travaillait dans ce qu'il aimait, la mode. Comme il le dit lui-même, j'étais le premier à porter des jeans skinny colorés et il se moquait de moi jusqu'à ce que ça devienne la mode. Sa fanbase s'agrandit peu à peu à l'échelle locale sur Atlanta. Un jour, alors qu'il est en train de ranger tranquillement les vêtements dans les rayons, un homme l'interpelle. Jordan pense qu'il veut un renseignement sur un t-shirt ou sur un sweat, mais au lieu de ça, il va tout simplement lui changer la vie sans même le savoir. Le client le reconnaît et lui dit qu'il kiffe ses sons. Il est choqué face à cette situation inédite. Et on peut le comprendre, imagine-toi à sa place. Tu fais ton truc seul dans ta chambre et on te reconnaît pour ça, c'est ouf. Il réalise que des gens écoutent vraiment sa musique et qu'il peut clairement en vivre en fait. But when did you know that you really wanted to take it to a different level? The moment I realized that it was people I did that liked my music, you know, that pushed me. Du coup, H&M, c'est ciao. Il quitte l'entreprise sur le champ et décide de tout faire pour réaliser son rêve. Percer dans la musique et la révolutionner. Niveau études, à l'époque, c'est pas fameux. Il est diplômé, mais de justesse, et c'était tellement inespéré qu'il avait même pas invité sa famille à la cérémonie de remise des diplômes. Mais bon, il s'en fiche au final, parce que Jordan, ce qu'il veut, lui, c'est faire du son. C'est limite bénéfique pour lui qui voit son échappatoire seulement dans la musique. Rapidement, alors qu'il est toujours sur Atlanta, Carty va faire de nombreuses rencontres qui vont grandement influencer sa carrière musicale. Son chemin va d'abord croiser dans un premier temps celui du producteur Etherreal, un membre du label Awful Records, et The Real à ce moment-là c'est rien d'autre qu'un producteur hyper talentueux. A tel point que son passage chez Awful Records va largement influencer le son du label, en initiant notamment le boss appelé Phaser à de toutes nouvelles sonorités fortement inspirées par les jeux vidéo. Carty et The Real passent de nombreuses nuits au studio ensemble et une réelle alchimie se crée entre les deux artistes. Ils sont faits pour travailler ensemble et leur univers s'assemble à la perfection. De nombreux morceaux sont créés par le duo, dont un qui va retenir l'attention de Phaser, le patron de Awful Records. Et le morceau c'est Young Zan Ho. Les plus anciens d'entre vous ont peut-être d'ailleurs reconnu le sample de la musique de démarrage de la PlayStation 2. Preuve encore une fois de l'influence du jeu vidéo dans la sonorité du producteur. Etherreal a pavé la route du chemin artistique que Playboi Carty a ensuite emprunté, avec un ADN très planant et mélodieux. Bref, Phaser entend ce morceau et souhaite instantanément signer Carty, qui va clairement retenir son attention par son flow si particulier pour l'époque. Il fait aussi très rapidement la rencontre de Mexicodro, l'un des membres du collectif de beatmaker Beatplugs, dont t'as déjà certainement entendu le tag PLO. C'est avec lui que Jordan va vraiment affiner sa vision et peaufiner son art. Mexicodro sera d'ailleurs plus tard à l'origine des premiers gros succès de Playboi Carty, comme par exemple le morceau Plug. Mais avant de sortir ce son, Jordan a pris LA décision qui va changer sa carrière à tout jamais. Se concentrer à fond sur son compte SoundCloud. D'ailleurs, c'est pas la seule décision qu'il a prise, car entre temps, il a changé de nom. Finisher Cartier, Jordan choisit une autre identité qui colle beaucoup plus avec son caractère de tombeur de filles. Mesdames et messieurs, il est temps d'accueillir Playboi Carty. Il ne le sait pas encore, mais c'est sous ce nom que tout va s'accélérer de façon exponentielle pour lui. ⁇ 2015 représente dans la carrière de Playboi Carty une année charnière qui l'a fait rentrer dans la cour des grands. Pour provoquer le destin, il dit au revoir à Atlanta et tente une expérience vers le berceau du rap, New York. Bagage en main, Carty va s'installer chez une partie de sa famille qui habite là-bas. Mais rapidement, Jordan va quitter le foyer parce qu'il est tout le temps en route entre le studio ou chez ses potes. Du coup, quand c'est difficile de trouver un endroit où passer la nuit, il dort sur le canapé de son dealer. Au fur et à mesure, ce canapé va même devenir son lit et il y passera la majorité de ses nuits. À force de traîner dans l'appart de son plug, il voit plein de gens de tous les milieux qui viennent chercher leur consommation. Et un beau jour, un homme rentre dans l'appartement, s'avance vers Carty et lui dit « Je te reconnais toi, c'est pas toi qui fais du son ?» Et là où ça devient intéressant pour Jordan, c'est que c'est pas un simple crackhead qui lui dit ça, non, c'est A$AP Barry. Si tu connais pas A$AP Barry, c'est simplement un des membres fondateurs du A$AP Mob. Un collectif d'artistes, producteurs et designers dont fait partie un certain A$AP Rocky. Ce collectif a eu un énorme impact sur la mode et sur le rap dans les années 2010. On t'en parlera peut-être dans une autre vidéo. Bref, A$AP Barry et Carty discutent et deviennent potes parce qu'ils partagent les mêmes centres d'intérêt, soit la musique et la mode. Le temps passe et Jordan se fait de plus en plus de réseaux sur New York, que ce soit dans le monde de la musique, de la mode et même de l'influence. En parlant d'influence et de fashion, il y a un mec en ville qui fait un peu parler de lui. Cet influenceur de son époque commence petit à petit à côtoyer Carty. Son nom c'est Ian Connor. Ian Connor va être un élément clé dans la carrière de Carty. C'est vraiment lui qui va tout faire pour l'élever à un autre niveau. Comme on t'a expliqué précédemment, Ian Connor c'est une sorte d'influenceur. Bon, on est loin des vieux mecs de télé-réalité qu'on connaît en France. Mais le fait qu'il publie régulièrement du contenu sur Carty va participer à sa médiatisation. De plus en plus de personnes vont voir et entendre Jordan. Et c'est loin d'être
d'être fini pour l'impact de Ian Connor sur Playboi Carti. Les deux forment un vrai duo et au-delà d'être potes, l'un porte sa musique et l'autre apporte son réseau. Ils s'entendent tellement bien qu'un jour Ian demande à Carti s'il veut bien être son manager. Carti réfléchit et il accepte. La première chose que va faire Connor pour Jordan et non des moindres, c'est de l'amener à une soirée. Bon, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'à cette soirée, il y a un petit rappeur pas très connu qui est là et qui s'appelle A$AP Rocky. Autant dire qu'en 2015, Rocky c'est déjà une superstar et une référence dans le monde de la mode. Et comme on t'a énoncé avant, Connor est proche du A$AP Mob. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire rencontrer Carti et Rocky. À ce moment-là, Jordan est plus qu'impressionné en voyant le lifestyle d'A$AP Rocky. D'une part, il est drippé au max et d'autre part, il est avec plein de filles. Le plus fou pour Carti, c'est quand Rocky lui dit qu'il le connaît et qu'il aime bien sa musique. I couldn't even talk to him at first. I was so nervous, you know what I'm saying? Like, I really just really start like having the butterflies and stuff. When I met him and he told me that he liked my music, I'm like, what? Like, who showed you this? You know what I mean? Like, I'm from Fairburn, like Georgia, like not East Atlanta, South Atlanta, like height. How this man know my stuff? Par la même occasion, il lui lâche cette phrase qui va avoir sûrement un grand impact pour Carti. La chose la plus importante que tu dois faire, c'est t'abonner à Script pour rater aucune de leurs vidéos. Et tu peux aussi liker la vidéo si t'aimes ce genre de format. Bon, après, il lui a dit ça aussi. Tu dois te sortir d'ici, mec, et tu dois améliorer ton style. Les deux artistes partagent les mêmes passions pour la musique et la mode. Donc naturellement, ils deviendront vraiment très proches. Accompagné d'A$AP Rocky, Playboi Carti a les armes pour devenir une superstar. Les retombées de sa collaboration avec Ian Connor sont immédiates. Lors d'un show, il teste un nouveau son que lui et ses potes trouvent vraiment trop lourd. Et écoute-moi bien, le public pète un câble alors qu'ils ont jamais entendu cette musique. On te parle du morceau Broke Boy. Avec ce son, Carti va avoir son premier hit. Bon, toujours sur la scène underground, mais quand même. Broke Boy devient viral sur SoundCloud et la fanbase de Carti s'agrandit encore. Deux semaines plus tard, il n'y a pas de ralentir pour Carti. Il publie un autre son qui va lui aussi cartonner sur SoundCloud. Fetty. Son année 2015 sera couronnée par sa signature chez OG, le label du A$AP Mob. Playboi Carti fait définitivement partie du crew de New York. On pourrait penser qu'avec sa popularité grandissante et sa relation avec des gros noms de l'industrie, il allait en profiter pour publier plein de morceaux. Et bah détrompe-toi. Playboi Carti est différent. Il va créer une attente énorme autour de lui en ne sortant aucun morceau durant toute l'année 2016. Tout ce que les fans ont à se mettre sous la dent, c'est quelques fuites par-ci par-là. Mais tout le monde attend du nouveau de Carti. Ses seules apparitions seront en featuring. On peut évoquer le morceau Telephone Calls, issu de la première mixtape du A$AP Mob. Dessus, il est aux côtés de A$AP Rocky et Tyler the Creator. Ce morceau sera d'ailleurs le morceau le plus écouté du projet. Et dans ce morceau, même s'il est entouré de personnes bien en place, Carti va quand même réussir à se démarquer en adoptant une nouvelle façon de rapper. C'est le début de la Baby Voice. Garde ça en tête, on en reparle après. C'est aussi en 2016 qu'il va collaborer pour la toute première fois avec celui qui sera désigné comme son duo légendaire, Lil Uzi Vert. Ils travaillent ensemble une première fois sur le morceau Left Right. Dans ce clip, on voit clairement la transition dans son style vestimentaire entre l'avant et l'après A$AP Rocky et Ian Connor. Même dans son style musical, on sent que Carti commence à être un peu plus extravagant, plus ostentatoire, et il flexe clairement sur ses habits et son lifestyle. Sur son second feat avec Uzi, toujours en 2016, Carti dévoile encore une nouvelle façon de rapper, plus tard appelée Mumble Rap, et qui va lui apporter une énorme vague de haine. Mumble, ça veut dire marmonner en anglais. Si on doit définir le Mumble Rap, c'est une forme de rap caractérisée par des morceaux où les paroles ne sont pas du tout importantes, comparé par exemple au top line ou au prod. Les artistes Mumble Rap trouvent des mélodies, y ajoutent des adlibs, le tout sur des prods toujours plus entêtantes. Et la cerise sur le gâteau, c'est de ne pas comprendre ce que dit le rappeur. En gros, c'est ça. Et bref, ce mouvement, beaucoup de gens ont du mal à y adhérer. Une grande partie du public disait que Carti avait vraiment zéro talent. Avec des rappeurs comme Kanye West, Kendrick Lamar ou encore J. Cole, les auditeurs de rap jusque-là étaient habitués à des morceaux où les paroles ont vraiment une grande importance. C'était impossible pour eux de cautionner que ce genre de rap soit mis sur le devant de la scène. On arrive déjà en 2017 et toujours pas de musique de Playboi Carti. Pourtant, les membres du A$AP Mob avaient annoncé qu'une mixtape de Carti allait sortir en 2016. Mais rien n'est là. La hype autour du projet est à son paroxysme. Mais de son côté, Jordan a eu un petit imprévu. Sa mixtape était bouclée, mais il va faire une rencontre qui va tout changer. Celle du beatmaker Pierre Bone. Il tombe amoureux de son travail. Ses prods sont extraordinaires et hyper novatrices. Carti met sa mixtape à la poubelle et décide de tout recommencer à zéro avec Pierre Bone. Ils passent nuit et jour au studio ensemble pour créer la nouvelle ADN de Cash Carti. Ça y est, on est en avril 2017 et après un an d'absence, Carti revient avec sa nouvelle mixtape. C'est la mixtape qui va changer sa vie, en partie grâce à Pierre Bone qui va créer la couleur Playboi Carti. Tout est hyper bien exécuté, c'est une masterclass totale. Il met vraiment une décence à tous les projets des rappeurs SoundCloud de l'époque. C'est un
des rares projets de cette période-là qui s'écoutent encore hyper bien aujourd'hui. Le projet est porté par un hit planétaire qui va définitivement mettre la lumière sur Playboi Carti, qui va devenir mainstream l'espace d'un instant grâce au morceau Magnolia. Le son est entêtant à la mort avec le fameux. Même le clip est hyper joyeux, frais, dynamique, où on voit une apparition d'A$AP Rocky. Ces visuels participent à l'identité visuelle et musicale que s'est créée Playboi Carti sur ce projet. Celle d'un jeune rappeur qui s'amuse et qui innove avec des nouvelles sonorités qui se font pas du tout ailleurs. A partir de là, sa carrière évolue encore plus rapidement. Il fait son apparition dans le XXL Freshman de 2017 aux côtés de XXXTentacion. Ce qui marque énormément chez Carti, c'est son abus au niveau des adlibs. Pour ceux qui savent pas, un adlib c'est un mot, un onomatopée que le rappeur prononce à la fin des phrases pour ajouter du rythme. Il en place partout, au milieu comme à la fin de chaque phrase. Ça devient vraiment en fait sa marque de fabrique. Il est tellement bon là-dedans qu'il est invité à faire des adlibs sur un son de Lana Del Rey, frère. A partir de là, une longue période sans musique recommence. Ce schéma va devenir récurrent chez Carti, qui va en fait disparaître après chaque fois qu'il va réapparaître. Entre temps, il annonce une mixtape avec Lil Uzi, mais trop de leaks apparaissent sur internet. Uzi du coup il est plus trop d'accord, donc le projet tombe à l'eau. En 2018, après une longue absence, Carti revient avec un nouvel album, Da Elite. Ce projet vient asseoir la notoriété de Carti et le placer au rang d'artiste confirmé au-delà d'être un simple mumble rapper. Da Elite se place 3ème des Billboard. Son style musical fait enfin l'unanimité et le public découvre encore une fois une nouvelle façon de rapper. Carti prend une voix hyper aiguë, limite enfantine, qui intrigue le public. Cette voix, c'est la Baby Voice. Au premier abord, ça peut paraître ridicule, mais à force, ça te rentre dans la tête et t'es obligé de t'ambiancer. Au-delà de la musique, c'est une nouvelle imagerie que va se créer Playboi Carti. On peut dire au revoir à Cash Carti, celui qui drippait en Babe, Villon ou Supreme. Désormais, il rentre dans un autre univers de la mode, beaucoup plus sombre, beaucoup plus rock, à base de pantalons moulants en cuir et de grosses bottes Rick Owens. On voit aussi à la cover de Da Elite que Carti prend une vague beaucoup plus rock, voire punk. Pourtant, dans le projet, seulement un son se rapproche de cet univers. R.I.P. On pourrait même imaginer que ce son était une sorte de test pour voir la réaction des auditeurs à ce type de morceau. Bon, comme tu t'en doutes, qui dit retour de Carti dit longue absence qui s'ensuit. Mais tu verras qu'au final, cette absence n'en sera pas tellement une. Playboi Carti se démarque à nouveau. Contrairement au reste des rappeurs SoundCloud qui à ce moment-là stagnent au même niveau de notoriété, la fanbase de Carti ne va cesser d'augmenter de manière abusée. On pense par exemple à des artistes comme Lil Pump, Lil Xan ou Rich The Kid, des artistes qui ont une énorme hype pendant l'ère SoundCloud mais qui n'ont pas su la maintenir. A l'inverse de ça, on a Carti qui n'a cessé de se renouveler à chaque fois comme on a pu le voir depuis le début de cette vidéo. Ça lui a permis d'évoluer artistiquement et de se créer une audience toujours plus grande. Et en parlant de renouvellement, seulement 3 mois après Da Elite, Carti annonce un nouvel album, Whole Lotta Red, puis plus rien. Enfin, pas vraiment. Pendant 2 ans, Carti ne sortira aucun morceau. Mais paradoxalement, les fans auront accès à des centaines de musiques de Carti, grâce ou à cause des leaks. Un leak, c'est un morceau qui fuite et qui se retrouve sur internet. Souvent sur SoundCloud d'ailleurs, sans que le rappeur l'ait voulu. Et pendant ces 2 ans, Carti va subir une énorme vague de leaks. Tous les jours, c'était un nouveau morceau de Carti qui se retrouvait publié illégalement sur la plateforme. Mais là, en fait, où ça va devenir une énorme force pour Carti, c'est que chaque morceau qui était publié était hyper apprécié par les fans. Parmi les plus connus, on peut citer PC Pimper, qui s'était même retrouvé sur Spotify en numéro 1 du classement. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Il y avait même pas écrit Playboi dans le nom du son, frère. Il y avait tellement de matière que des fans s'amusaient à reprendre les acapellas de ces leaks pour les mettre sur d'autres instrus qu'ils avaient créés eux-mêmes et faire leur propre son de Playboi Carti. Il y avait un si grand culte et une si grande attente autour de lui que ses fans créaient de la musique pour lui et faisaient des millions de vues sur YouTube. Il était aussi absent des réseaux sociaux, ce qui fait que quand il y avait un petit tweet ou une photo sur Insta, bah tout le monde en parlait et pensait que Whole Lotta Red arrivait. Et avec tous les morceaux incroyables qui sont leakés, le public attend plus que tout la sortie de Whole Lotta Red. Et l'album s'annonce un peu dans la couleur de Da Elite. Playboi Carti a développé autour de lui un culte dû à son invisibilité des réseaux sociaux et la façon dont il est victime de leaks qui sont peut-être ses meilleurs morceaux. A cette époque, c'était carrément devenu une blague que les sons de Carti faisaient que leaker. Genre ça disait que son mot de passe c'était 1, 2, 3, 4. Et il y a d'autres événements qui vont marquer l'année 2019 de Carti, comme la création de son label Opium. Il défile
aussi pour Off-White. Il avait d'ailleurs des très bonnes relations avec Virgil Abloh, pour qui il a travaillé plusieurs fois. Enfin, Carti fera quelques apparitions en feat, avec Tyler the Creator sur Earthquake et Drake sur Pain 1993, bon je te le dis en français, hein, où il se fera salement critiquer à cause de sa baby voice. Au niveau de son style, il est dans la lignée de ce qu'il avait développé avec Dailit. Grosse teinture, jeans skinny en cuir et chaussures Rick Owens. Il ose et s'assume de plus en plus avec des outfits qui s'éloignent de ceux des rappeurs traditionnels et qui se rapprochent plus d'un style punk rock. Mais tu vas voir qu'on est encore loin, très loin, de l'évolution finale de Playboi Carti. Ça fait maintenant 2 ans que Carti a teasé Holla Red, et sans rien dire, il publie une mystérieuse cover sur son compte Twitter. Boum, 350 000 likes. On va enfin avoir un nouveau morceau officiel de Playboi Carti. Le lendemain, le morceau Atme est disponible. Le clip est hyper intriguant au niveau des plans et du décor. On assiste à une toute nouvelle imagerie de Carti. Avec des mimiques un peu efféminées, on est très loin du cash Carti de l'époque. Quant à la musique en elle-même, il propose une baby voice poussée à son paroxysme. On comprend vraiment rien, mais c'est trop lourd. Le public est hypé au max pour Holla the Red. Carti tease encore sur Twitter, mais rien ne sort. Il faudra attendre novembre 2020 pour avoir des nouvelles de l'album, mais cette fois-ci, ça sent bon. Le 23 novembre, les fans reçoivent une notif sur leur téléphone. Playboi Carti est en live sur Instagram. Il parle pas, il lance un son et tout est trop bizarre. Bon, de 1, il a les cheveux rouges. De 2, il a un nouveau flow avec son débardeur transparent. Et de 3, le son. C'est carrément punk, donc hyper loin de tout ce que les fans attendent pour Holla the Red. D'ailleurs, il répond à ceux qui l'ont critiqué sur le fait qu'il soit efféminé. On assiste au début d'un nouveau Playboi Carti en rockstar. Pendant un mois, Carti est plus actif qu'il ne l'a jamais été. Holla the Red arrive. Mais les photos qu'il poste, c'est pas des photos comme à l'ancienne, tu vois. Il se prend vraiment comme un vampire, genre premier degré. Une imagerie bien sanglante, bien Dracula. Playboi Carti devient plus qu'un rappeur. Maintenant, c'est un personnage inédit dans l'histoire du rap. Et tout ça vient se confirmer dès l'annonce de la cover de l'album. Elle est inspirée du magazine Punk Slash des années 70. On pouvait déjà se douter que le projet allait être différent. Mais personne, et je dis bien personne, ne pouvait s'attendre à ce que Carti nous a proposé le 25 décembre 2020, un jour de Noël. Holla the Red sort enfin. Le réveil sonne à 6h pétante, les yeux plissés, tu prends tes écouteurs et tu t'attends à entendre une douceur. Tu lances l'album et t'entends ça. Pas que nous, hein, mais tout le monde est choqué par ce qu'ils viennent d'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre toutes les prods angéliques et ces basses saturées qui te pètent les tympans? Et tu connais le public, Twitter, tout ça, c'est méchant. Quand quelque chose sort du lot et un peu inédit, ça critique bien comme il faut. Partout sur la plateforme, ça insulte Carti. Il est en tendance avec les hashtags Holla the Trash et Holla the Skip. En gros, trop de merde et trop de skip. C'est vraiment une vague de haine envers lui alors qu'il a rien fait à part innover dans un monde du rap où tout se ressemble un peu. Mais petit à petit, les fans commencent à voir la lumière sur l'album. Plus les fans l'écoutent et plus ils comprennent que certes il est fou, mais c'est du génie. En s'entourant de nouveaux producteurs comme Filsy, Out of Town ou Starboy, Carti va encore avoir une sonorité inédite et un son propre à lui. Une nouvelle couleur dans le rap avec cette rockstar déguisée en vampire qui fait que hurler sur des prods. Et la fanbase de Carti s'agrandit encore. Paris encore une fois gagnant pour la jeune superstar. Avec Holla the Red, Carti obtient son premier projet numéro 1 des Billboard. Faut pas oublier que quand l'album sort, on est encore en période de Covid, donc il y a zéro concert. Je me souviens, je m'étais imaginé vivre l'album en live et c'était un peu comme un rêve, tu vois. En fait, au-delà d'aller voir un rappeur, c'était un peu comme aller voir un spectacle, genre comme un gros concert de rock, mais cette fois avec du rap du coup. Au niveau de son personnage, Carti pousse le délire vampire au maximum. Il se fait même surnommer King Vamp. Et en fait, toute cette imagerie va encore plus participer au cult following qui gravite autour de lui. Tout le monde observe et assiste aux agissements fous de cet ovni du rap. Chaque tweet est partagé par des centaines de milliers de fans. Désormais, quand on pense à Playboi Carti, on pense pas à un humain, mais à un personnage. Même s'il a eu un démarrage très difficile, je pense qu'on a assisté au plus grand retournement de veste de l'histoire avec Holla the Red. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui l'ont critiqué bougent la tête quand ils entendent
Stop Breathing. Et quand les concerts reprennent, c'est là que l'album prend tout son sens. Ceux qui étaient toujours pas montés dans le train prennent une place à bord. Les shows de quartier deviennent des références dans l'univers du rap et sur les réseaux sociaux. Alors qu'avant, pendant les festivals, il passait après les plus gros noms, aujourd'hui c'est lui la tête d'affiche. Il met une énergie sur scène qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Et au fur et à mesure de ses performances, il a commencé à améliorer ses shows. Par exemple, il a acheté des décors, il a aussi fait appel à des danseurs. Les plus connus sont Black Hane et Burberry Harry, un skater modèle pour Balenciaga. Toute cette ambiance peut paraître un peu démoniaque d'un point de vue extérieur si tu connais pas le personnage. Enfin, même si tu le connais en fait. D'ailleurs, il y a eu quelques dramas sur TikTok où Cartier était accusé de faire des rituels sataniques pendant ses shows. Bon, c'est vrai que parfois ses fans font n'importe quoi pendant les shows, mais bon. Bon, on va pas s'étaler là-dessus, mais ça montre à quel point il est mystérieux et assez controversé. Avec Hold That Red, Cartier a vraiment révolutionné la manière de faire de la musique pour un rappeur. Surtout au niveau des shows en fait. Actuellement, on est en 2023 et on tourne cette vidéo juste avant la sortie de Utopia, mais on pense que cet album est le plus influent de la décennie. Et on dit pas ça dans le vent en vrai, on voit déjà l'influence de Cartier sur plein de rappeurs, mais du coup on se demande comment il va se renouveler encore en fait. Bon, aujourd'hui, l'ère vampire de Playboi Carti semble un peu s'estomper. Le rouge fait plus trop partie de sa direction artistique, on commence à plus tendre vers du noir, du très très noir. Même au concert, il arbore des nouveaux looks plus sombres. Sur certaines photos, on pourrait même le confondre avec un monstre avec son maquillage et les accessoires sur son micro. Tout ce qu'on sait maintenant sur le futur de Playboi Carti, c'est que là, en été, un album du nom de Musique devrait sortir. Mais avec tout ce qu'on t'a dit jusque-là, je pense que tu captes que c'est très peu probable que ça sorte en temps et en heure. Et ouais, cette année, on a encore eu le droit à pas mal de mensonges de la part de Carti. On peut citer la tournée avec Kanye West, son retour sur Twitter et la cover posté sur son Insta avec une femme mystérieuse. Bref, tu t'en doutes, tout ça n'a pas abouti. La seule chose sûre qu'on sait, c'est qu'il part en tournée avec tous les membres de son label. Son album devrait sortir avant le début de la tournée, mais c'est un énorme défi auquel Carti est confronté. Bah ouais, il a déjà révolutionné plus d'une fois le rap à sa manière, que ce soit avec la Baby Voice ou juste le fait de faire un album punk rap. Il va devoir se renouveler encore une fois pour essayer de nous surprendre, c'est pas gagné hein. Parmi les artistes qu'il a inspirés et sur lesquels il a eu une influence, on peut déjà citer tous les membres de son label, que ce soit Ken Carson, Destroy Lonely ou Homicide Gang, mais aussi d'autres rappeurs déjà un peu plus en place comme Trippie Redd, NBA Youngboy ou même Heat. Sans te parler de toute la scène underground qui reprend les rage beats, bien rock, bien punk avec des voix auto-tunées à la mort. Playboi Carti a réussi une chose extraordinaire dans le genre du rap, utiliser sa voix comme un instrument. En fait, quand on écoute du Carti, on s'en fout complètement des paroles, le plus important c'est la vibe du son, c'est ce que ça te fait ressentir. Avec tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, ses difficultés, ses innovations et son influence énorme, est-ce que pour toi on peut déjà parler d'une légende de son époque? On te laisse nous dire ça en commentaire, en vrai on est hyper intéressé par ton avis. On te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, t'es vraiment un bon. Si t'as aimé, tu peux même t'abonner, lâcher ton petit like, et ça nous boosterait à faire encore plus de formats comme ça qui nous prennent un peu de temps à faire. Mais surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs.